Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve sur un nouveau serveur, je vous l'avais déjà dit, pas le nom, mais je vous avais dit qu'on a commencé un nouveau serveur. Donc c'est Bloclaria, c'est un serveur avec un système de box, donc en gros on apparaît dans une box, où est-ce qu'en gros on aura des quêtes à faire, des missions aussi, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un peu la même chose, pour augmenter tout simplement la taille de notre box et avoir une grande box et au final... Après, tout se base aussi sur un système d'économie, de toute façon on va découvrir ça pendant l'aventure. Ah oui aussi, et par rapport à mon micro, je vais bientôt en recevoir un nouveau, donc c'est un Razer Seren Mini. J'essaierai de vous mettre comment dire, une image à l'écran, après à voir si j'y arrive. Sinon, je voulais vous rappeler aussi, parce que j'ai été un peu absent cette semaine-là, il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. Puis celle-là, c'est pas qu'elle sera à l'arrache, mais j'ai pas forcément eu le temps, mais je voulais vraiment en tout cas en sortir une. Mais elle sera quand même travaillée, vous inquiétez pas. J'étais à New York, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine. Là, je m'en excuse. Il y aura plus de vidéos cette semaine en tout cas. Je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine. C'est trois, enfin non, ce mois qui arrive là. Un max de vidéos, ouais. Et au final, je voulais faire juste une présentation, mais je pense que je vais faire vraiment une série sur Blocaria. C'était pas prévu au début parce que je voulais juste le présenter. Puis voilà. Donc là, on va directement se retrouver avec la boussole en la main. Pour choisir notre serveur, donc en gros il y a Alola, donc ça c'est parce qu'en gros au début ils étaient pas prêts à avoir 1000 joueurs à l'entrée, du coup ils ont ouvert un autre serveur. Du coup il y a Flora et Luna. Je pense quand même que je vais prendre Flora parce que déjà c'est mieux. Je rigole, c'est pas pour ça. C'est pas drôle frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne, regarde, regarde, qui rit? Personne! Quoi? Personne quoi ne rit! Mais ouais, je pense que je vais quand même prendre Flora parce que c'est peut-être plus simple, et puis je sais pas, j'ai envie, voilà. Du coup, tac, on va choisir Flora. Ok, donc là, on se retrouve directement au hub. Il est grand, il est grand, il est beau. Ah oui, aussi, j'ai eu un petit, comment dire, un pas de texture à installer. Donc si jamais vous l'avez pas au début, bah faut déco et reco. Même si moi, ça me l'a fait au début. Hein. C'est si jamais vous avez un problème et tout. Donc là, on se retrouve directement ouais, au hub avec toutes les caisses et tout ça. Je pense que je ferai ça plus tard. Il y a pas mal de caisses vraiment sympas parce que on a un petit peu eu des teasers entre guillemets ou des spoils voilà sur TikTok, le TikTok de Bloclaria. Peut-être que je le mettrai en description, après je sais pas si je vais y arriver. Et donc du coup là on va directement essayer de créer notre box, donc là ça doit être box create, ouais t'accès à create. Est-ce qu'il faut mettre un nom? Attends, je vais mettre Booby juste comme ça. Ok, non c'est pas disponible, donc je vais juste mettre box create en fait. Alors, temps estimé 5,9 secondes. Ok, donc il y a un petit temps pour créer la box. Donc là, on spawn directement. Ok, alors en fait, au début, j'aurais pas pensé que c'était. Enfin, je pensais que c'était dans les airs en fait, mais non, du coup, c'est vraiment sur une vraie map. Donc, là, il y a un petit peu d'eau et tout. Enfin, j'entends une vache là à côté, je sais pas si vous l'entendez aussi. Alors, très très sympa, vraiment très très sympa. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre là? Ok, bon, alors du stuff. Attends, je vais le péter pour aller plus vite. Et aussi maintenant il y aura moins de coupures dans les vidéos. Je sais que ça peut être bien ou des fois mauvais après. Je sais pas encore si c'est bien ou mal. Bon, vous me direz dans les commentaires tout ça. Du coup là on a un petit stuff en fer, donc on va directement casser l'arbre en espérant. Ah. Donc là la box a déjà été augmentée de un bloc parce qu'on a cassé un arbre. Ok. Allez, à coupage de bois. Donc là on va continuer du coup parce que ça. Du coup c'est cool parce que ça augmente un petit peu la box. Donc là je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps on était vraiment à. Oh, je suis quasiment sûr qu'on était à là comme ça. Hein. Ouais, on devait être en 3 par 3 normalement. Et là, du coup, là, on est en 4. Non, 5 par 5, je sais plus. Ah, putain, je sais plus, je sais plus. oui, non, on était en 5 par 5 et là, on est en 6 par 6. C'est marqué un petit peu sur le côté. Du coup, là, on va directement se faire une petite table de craft. En vrai, ça fait bizarre parce que maintenant, il n'y a pas de. Enfin, t'as pas d'argent au début. Ah, encore un. On a augmenté de 1 parce qu'on a fait une table de craft, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de voir directement toutes les quêtes qu'on a à faire. Non, ça c'est pour passer un grade. Ouais, ça c'est pour passer un grade, je pense. Pour le grade paysan. En fait, j'aimerais bien voir un peu comment est-ce qu'on voit les quêtes d'île. Enfin, les quêtes de box en fait, mais. Alors, box quête peut-être. One eternity later. Ok, donc en fait, c'est tout simplement une touche que je ne connaissais pas sur Minecraft, c'est un livre entre guillemets. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça le vrai nom, mais en tout cas, c'est une espèce de livre avec tous les succès qu'il y a dans Minecraft normal, mais pour le coup, là, ils sont là. Donc en fait, il y a juste à faire L. Et là, vous avez un panel entre guillemets de progression, donc il y a toutes les quêtes à faire. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est.
bah ça doit être une des quêtes, hein. Après bon, laquelle je sais pas. Ah oui, là, non, là. Alors ça doit être une de ces quêtes là. Non. Ouais, je pense que c'est peut-être des quêtes qui sont un peu plus loin ou je sais pas trop. Parce que là, à vrai dire, je vois pas tellement, c'est quelle quête. En tout cas, il y aura toutes ces quêtes là à faire déjà de sûr pour augmenter la taille de la box. Et après, il y aura tout un système d'économie, bah, comme je vous l'ai dit, mais ça, on le découvrira plus tard. Donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu dans les quêtes. Là, donc, qui sont simples, rendez-vous à la zone du casino, Warp Casino. Donc ça, c'est simple, il y a juste des slash à faire, entre guillemets. Voilà, marché, enchères et tout. Ah, enchères, ça peut être stylé. Du coup, ouais, alors, je vais faire toutes ces quêtes-là avec des slash et je vous redis directement quand j'ai fini, tout simplement. Donc là, les amis, je viens de trouver comment est-ce qu'on fait. Bon, alors, c'est un peu compliqué quand même, même pour moi. Là, en fait, il faut faire L. En fait, il faut bouger. Je pensais pas qu'on pouvait bouger. Du coup, là, moi, j'ai fait les trois là. Donc, c'était les trois de base, en fait. Après, là, il faut juste que je fasse une pioche en pierre. Je pense qu'il y a quand même un ordre pour les faire. Enfin, genre, je peux pas faire directement celle-là et après celle-là. Je pense quand même qu'il y a un ordre. Du coup, là, je vais vite aller me faire une pioche en pierre. Alors, du coup, c'est un peu bête parce que j'en ai déjà une en fer, mais... il faut le faire quand même. Du blé, et bah ça il y a un warp farm que je vais y aller. Fabriquer une canne à pêche, j'ai pas de fil pour le moment mais je pense qu'il y a des warps. Les vaches, il y a un warp animal. Animaux. Les zombies aussi, de toute façon là je pense que je vais en faire pas mal et puis, puis je vous redis dans quelques minutes. Enfin en tout cas du moins les simples, après les plus compliqués, je les ferai plus tard ou hors caméra, je sais pas trop. Bon alors là du coup les amis j'ai pas pu forcément faire beaucoup de quêtes, enfin d'ailleurs j'en ai fait aucune. Il y avait un gars au warp animal et du coup j'ai pas pu faire les vaches ou les champs, bah en fait j'ai pas encore accès, je crois que j'ai pas encore le niveau, enfin ou le grade. Après j'ai voulu faire des champs sauf que bah tu sais j'avais pas de saut, du coup j'en ai acheté au shop. Et là du coup j'ai fait un petit champ, enfin du coup j'ai pas encore mis l'eau et tout. Parce que là faut encore que mon bois repousse. Ou non en fait non. Non je vais en acheter au shop carrément comme ça ira plus vite et puis je pourrais vite finir. Mon petit champ l'attaque, ouais bon de toute façon si j'ai 12 000 mais là pour le moment l'économie ne me sert pas à grand chose, enfin j'ai pas encore vu à quoi servait du coup de farmer l'argent. Du coup là je vais vite faire des dalles, hein. tac et du coup là faut que je les place, attends ouais j'ai acheté deux seaux et puis j'ai fait une source comme ça moi j'ai plus de problème. Alors donc là 1 2 3 4 1 2 3 4. Là normalement c'est là. Là je peux mettre de l'eau. Alors du coup tac, tac. Et après faudrait que je mette. Ok bon. Ok c'est comme ça. Et là, 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4, ok bah nickel. Nickel. Là j'ai mon champ pour tout. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est qu'il faut que je plante les graines. Alors, je crois que je les avais achetées au Aha tout à l'heure. Alors. Slash A. Mes objets achetés, où est-ce qu'ils sont? Là, tac, donc là 30 degrés, bon, normalement ça devrait largement faire assez. Oh non, quoique, oh non, j'en suis pas si sûr. Du coup on va tout remplir, tac. Et comme ça moi ça me fera un petit champ. Puis voilà. Attends, je vais essayer de voir si en fait je peux 7 ohms en haut carrément. Comme ça moi ça me fera que je peux enlever la source d'eau de merde là. 7 ohms, non, c'est quoi 7 ohms farm au pire? Nickel. Du coup ça tac ça je peux reboucher. Nickel, ça fait que là du coup je peux tout remplir de tout l'eau de terre. Enfin de graines pardon. Du coup la tac là mon champ est fini, il me reste une graine. Il y a forcément un endroit que j'ai loupé. Vu que là ma box est 8x8. Donc j'ai forcément loupé un truc. Bah apparemment non. Du coup là je vais faire juste box go et je vais attendre que ça pousse et puis je vais essayer d'aller aussi me faire miner tout simplement pour me trouver du diamant et tout. Donc, je pense que je vais aller là et puis bah je vous redis dès que je suis couche 11 je crois hein, pour le diamant. Ouais donc je vous redis quand je suis couche 11 pour me faire une petite mine entre guillemets. Du coup tout à l'heure. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait juste avant de miner, donc là j'allais miner, sauf que je viens de voir qu'il y a un slash job donc, qui va être sympa en tout cas, ça me fait gagner peut-être un petit peu d'argent. Il y a donc fermier, mineur et chasseur, donc les trois principales. Après c'est vrai que sur l'autre serveur on avait forge mage et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait bûcheron je crois aussi. Là du coup c'est cool parce que ça fait vraiment les trois métiers
principal, on va dire, parce que c'est vrai que Forge Mage, bah, c'était aussi intéressant, mais là, pour celui-là, c'est cool, ils ont même pas trop mis. Du coup, là, moi, j'ai rejoint directement Mineur, alors je pense que je peux le refaire une deuxième fois, pour vous montrer, tac, donc là, on va aller dedans. Il y a une boutique des métiers, comme sur Sun Sky, il y a un classement, bah, comme sur Sun Sky, il y a des paliers aussi, mince, attends. Ok, voilà, c'est prochainement ça qu'il y a, prochainement des paliers. Classement, ok, bon, faut que je le monte hein, pour être dans le classement forcément. Là, j'y suis pas encore, parce que j'ai pas encore miné. Il y a une boutique carrément de job, comme sur Season Sky, je vais arrêter de dire ça parce que non, ça va être chiant. Pioche du mineur, oui, bon, ok. Il y a des mending, ok, 1 million de points de job, ok. Fortune 3, ça peut être pas mal si j'arrive à avoir 150 points de métier avant d'arriver en bas. Les pioches, je pense que ça va être intéressant à voir comme comment dire, la houe ou un truc comme ça, parce que sûrement que dans fermier il y a une houe justement du fermier ou à l'attaque comme ça, qui peut être sympa aussi à prendre, vu que je pense que au bout d'un moment la comment dire, les verrues et tout pour l'argent, ça peut être sympa ça aussi. J'ai pas encore regardé tous les prix, mais je pense qu'il y a des verrues qui peuvent être sympas. La source d'eau infinie, ouais, bon, si jamais je fais des grands champs, mais là pour le moment pas besoin. Ou pas de farm, ça c'est cool pour les comment dire, pour les fermes à cactus après avoir, ou d'autres formes tout simplement, farm à mob, voilà. Du coup, bon, là je parle, mais je fais pas grand chose. Du coup, là je vais aller upgrade mon métier de mineur, et on se retrouve après dès que je suis à couche 11 et que je l'ai upé un petit peu. Ok, donc là les amis, comme vous voyez, j'ai beaucoup augmenté ma box, donc là elle va jusque là-bas. Donc elle fait du 40 par 40. Et donc là, pour ceux qui vont me dire, oui, mais comment t'as fait? Et ben en gros, j'ai tout simplement fait les progrès. Donc en fait, je savais pas, mais il fallait que je les fasse dans l'ordre, et j'avais pas mis le S à warp, du coup à chaque fois ça marchait pas. Et donc là je les ai fait, et à chaque fois tu sais, ça me rajoute un deux blocs. Du coup je les ai tous faits et j'ai un peu commencé, alors j'ai fabriqué la canne à pêche, pardon, fabriquer une pioche en pierre, ça bah du coup ça va être bon vu que là maintenant je vais pouvoir faire des vrais champs, enfin, des grands champs en tout cas. Pareil pour carottes et tout. Celle-là j'ai essayé, alors ça a bugué, je pense que c'est parce que, enfin j'étais bloqué à 63, vache tuée, et je pense que c'est parce que j'avais pas fait celle-là avant. Je le ferai plus tard, celle-là. Là, pour le moment, j'essaye d'augmenter mon île. Et puis là, je pense que j'ai pas mal de travail à faire, justement, par rapport au champ, etc. etc. J'ai aussi fait un petit coin pour carrément faire pousser des arbres, vu que là, j'en avais pas encore fait. Ok, voilà, j'ai failli mourir parce que là, j'ai carrément plus de vie. Pour faire pousser des arbres, parce que bah, le bois est quand même stylé, du coup. Voilà. Là, sinon, je me suis aussi intéressé à mon slash quête, donc pour augmenter de rang quand même. Parce que je vais forcément un jour augmenter de rang. J'ai toutes ces quêtes là à faire, alors c'est plein de quêtes vraiment simples. Là, j'avais faire un four, j'avais faire une table de craft, j'avais pas mal de quêtes sympas pour bah, justement après passer un grade. Alors je sais plus c'est quel grade pour celui-là, ça va être villageois. Non, paysan. Donc c'est là après, on fait slash rang pour voir combien est-ce qu'il coûte. Et bah, là, moi je suis à gueux. Alors je sais pas c'est quoi dans le. Enfin, je sais pas c'est quoi la définition en fait de gueux, mais je pense que ça a quand même une définition. Après, il y a paysan, donc là il me faudra 100 000 $ et avoir fini toutes les quêtes bronze. Je pense que pour cet épisode là, je pense que ce serait bien de passer paysan. Et parce que le paytime aussi, l'accès au paytime est vraiment important. Parce que être dans la nuit, c'est pas très cool quand même. Du coup, là je pense que je vais augmenter un petit peu mon île. Bah, pas grand chose, je vais peut-être la refaire un petit peu, je vais faire un beau champ de blé. Et je vais farmer un petit peu pour mon rang de paysan. Du coup, on se retrouve dès que j'aurai farmé les 100 000 $. Je vous mettrai peut-être une timelapse de moi quand je fais mon champ. Après, à voir, parce que j'ai pas de fly, du coup ça risque d'être long. Sinon, à dans une bonne heure, je pense. Parce que le temps de farmer tout ça, ça va être un petit peu long. Du coup, à tout à l'heure. Et donc là, on se retrouve directement en haut de mon île. De ma box, pardon. Je viens de faire un petit champ de blé. Alors j'ai pas encore eu toutes les graines. Faut que je le finisse en fait sur toute la terre qui reste là derrière moi. Voilà, je pense que au final je passerai paysan dans le prochain épisode. Parce que là c'est vrai que ça reste plus une découverte qu'autre chose. On a découvert l'aspect global du serveur. Mais pour le prochain épisode ça va tryhard sévère. sinon aussi je voulais vous parler par rapport à la durée des vidéos maintenant. Elles peuvent durer plus longtemps parce que j'ai plus de problèmes par rapport à convertir mes clips
enfin mes enregistrements en MP4. Maintenant ils se convertissent automatiquement en MP4. Du coup ça fait que là j'ai juste à enregistrer, à envoyer ça sur mon téléphone, faire le montage, renvoyer et publier. Là il n'y a plus de problème de convertir à chaque fois mes clips en MP4 parce que ça me prenait pas mal de temps quand même. Du coup ouais, les épisodes peuvent arriver plus vite maintenant et avoir plus de... enfin être plus long parce que mes clips devaient pas faire plus de 1 giga, maintenant ils peuvent faire autant qu'ils veulent. Enfin après il faut que ça passe sur mon téléphone tu vois, parce que mon téléphone n'a pas non plus 1 giga de... enfin 1 TO pardon d'espace. Sinon c'était Boubi, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Des commentaires bah ça m'aiderait, en tout cas des astuces ou juste ce que vous pensez de ma box actuellement. Bon après au final maintenant c'est plus trop une box parce que enfin, forcément j'ai la limite, mais bon 40 par 40 c'est quand même une bonne box quand même, enfin elle est un peu grande quand même. Sinon bah c'était Boubi et ciao tout le monde.